Barbara Streisand. Tu veux un site fiable et sécurisé pour acheter des crédits FUT? Rends-toi sur FIFA Coins Buy avec le code SAGAMIX, obtiens 3% de réduction sur ta commande, frérot. Yo les potos, c'est SAGAMIX, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FUT. Vous allez voir comment s'enrichir en cette période de e-league 1, les gars. Tout simplement, la e-league 1, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition organisée en France, dans chaque région. Vous allez pouvoir vous inscrire sur Orange, la compétition est déjà ouverte, donc vous ne pouvez plus vous inscrire, mais je vais vous montrer comment, grâce à cette compétition, gagner des crédits sur FUT. Donc c'est une technique d'achat-revente que je connais, les autres youtubeurs n'ont fait aucune vidéo, vous trouverez aucune vidéo comment gagner des crédits durant la e-league 1. Je vais vous donner les joueurs et les techniques à faire sur ces joueurs pour gagner des crédits. Technique d'achat-revente, il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne, du coup je vous demande de laisser 75 likes, 75 likes les gars pour cette vidéo, c'est l'objectif. Et on est parti tout de suite les gars pour vous montrer cette petite technique. On va se diriger les gars vers le marché des transferts. Tout de suite, je vais vous montrer le premier joueur avec qui ça marche. Du coup, c'est que de la Ligue 1. Du coup, vous allez dans non-joueur. Je vous montre un bon petit joueur pour bien commencer l'achat-revente. Vous achetez Jérémy Ménez, les gars. Donc sur PS4, bien sûr, il vaut à peu près 900 crédits, je pense. Il coûte pas très cher. Du coup, c'est un bon investissement. Beaucoup de gens vont utiliser, je pense, Jérémy Ménez avec Balotelli. Donc Balotelli, ça va être le deuxième joueur. Donc vous le cherchez pour 900, il n'est pas dispo. 950, il est dispo. Donc vous faites ça les gars, vous restez sur 950 sur PS4 bien sûr, vous mettez le bouton carré et vous revenez. Et les gars, voilà, lui il est tombé à 800, on va direct l'acheter. Voilà, il est tombé à 800, on l'achète et on le reliste pour plus. Je vais vous montrer juste pour combien on va le relister. Donc voilà, là on l'a eu à 800, on va regarder juste les contrats, c'est pas mal, 8 et 89 de forme. Donc on va le relister, on l'a acheté pour 800, on va le relister pour 1000. Donc lui vous le relistez à 1000, il va partir comme une petite baguette de pain. Il va partir comme ça, pour 1000 il va partir. Deuxième joueur les gars, là par contre c'est un peu plus de budget. Non quoique, Balotelli je sais pas combien il coûte. On va voir ça tout de suite les gars. Mario Balotelli. Donc c'est juste en cette période de e-league 1. C'est parce que les gens vont vouloir tester plusieurs joueurs et notamment des buteurs pas trop chers, comme ils ont peut-être des autres équipes à côté. Donc vous essayez de le trouver pour le moins cher possible et vous spammez. Donc je pense que pour 1500 on peut l'avoir. Vous spammez à 1500. Vous spammez. Vous essayez de le trouver absolument pour 1500. C'est sûr qu'il y en a un qui va tomber pour 1500. Donc voilà, il est tombé à 1500. 69 contrats, 85 de forme. Tu vois, on a de la chance. Donc toujours sur PS4 les gars, on est sur PS4. Donc un Balotelli normal, placé sur liste des transferts. Vous l'avez acheté pour 1500 crédits avec 69 contrats. Et là vous le revendez pour 2100 crédits. Donc Balotelli, vous le mettez à 2100 crédits et il va partir. Voilà, donc ça vous fait déjà deux bons joueurs pour tout simplement cette technique e-league 1. Troisième joueur, par contre là ça score un peu plus, je pense, ça va être du Edinson Cavani. Donc ça va pas être aussi cher, ça va être un peu plus cher je pense, mais pas trop non plus. Je pense qu'il vaut, je sais pas, 4000 crédits. Non, plus. Donc lui, il a bien dû monter. Et c'est ça qu'on aime bien, du coup, quand tu fais un peu d'achat-revente, tu fais cette technique. Quand c'est en période de e-league 1 ou d'autres compétitions sur PS4 ou Xbox, tu t'essayes de trouver des techniques. Par exemple, cette technique, c'est moi qui l'ai trouvée. Il n'y a personne, aucun YouTuber qui l'a faite, cette technique. Que vous mettiez bien ça en tête, il n'y a que moi. Donc là, on l'a trouvé pour 7000. Je pense que pour 6009, vous pouvez aussi le trouver. Je suis sûr que pour 6900 crédits, vous pouvez le trouver, Cavani. Donc pour Cavani, bon là, j'ai pas les crédits pour. Vous l'achetez à 6900 et vous le relistez pour 7500. 6900 en achat immédiat, vous l'achetez. 7500, vous le revendez. Quatrième joueur. Ça va être du
Atem Ben Arfa. Ah, par contre, lui, il faut avoir les crédits, mais dès que vous... Si vous avez genre 100 000 crédits, vous l'achetez en plusieurs fois. Et là, vous allez vraiment vous faire un gros bénéfice dessus. Vraiment un très très gros bénéfice. Je sais pas combien il vaut. Il vaut 20 000. 18 000 peut-être. Allez, on va l'acheter pour 20 000, on le trouve. Je pense que pour 19 500, vous pouvez le trouver. Ouais, 19 500. Donc vous le spammez à 19 250, vous le spammez et vous le revendez pour 22 500 crédits. 22 500, hein. Mettez bien ce prix-là, ok? Et c'est une très très bonne technique, hein. C'est une très très bonne technique pour en cette période de championnat e-ligue 1. Donc voilà, je vous ai montré les joueurs potentiellement revendables et où on peut avoir un gros investissement dessus. Sur ce, les gars, cette technique n'a été trouvée, j'ai envie de dire, sur aucune chaîne YouTube. C'est ma technique. Je vais la rebaptiser la technique achat-revente e-ligue 1 pour vous faire une masse de crédit. Et si vous voulez pas vous faire chier à faire de l'achat-revente, vous allez sur mon site FIFA Coins Buy, lien dans la description, les gars. Et voilà, sur ce, les gars, avec le maillot du Bayern et la team de Getz, vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Peace, les gens. Ciao. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sa passe. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love.